Comme tu as aimé saluer tout le monde, en particulier Panélistio, m'a dit merci parce que je viens participer à un talk show. Ça, je finis tout auditeur et spectateur, nous yo bienvenue. C'est très important, émission l'a fait, je veux dire. C'est du Bureau national apostolat haïtien pour informer public noir sur et événement ça. Bon, pandémie ça qui a frappé population noire en pile, tant que tout reste terre. C'est peut-être ça, nous déjà bail quatre talk shows. Premièrement, nous avec les médecins pour expliquer que c'est un virus qui est un virus en tout petit, extrêmement contagieux, mais depuis l'entrée, généralement par voix, orifice, ou bien bouche, ou bien nez, ou bien yeux. Eh bien, il rentrait dans les cellules, il ravageait les cellules et il rapidement communiquait à toutes les autres cellules qui tout autour de lui, et très rapidement, il envahit tout le corps. Ce qui fait que c'est pour nous faire prendre tout moyen pour ne pas quitter et virus ça entrer dans nous. Je dis tout ça. Donc, c'est peut-être ça, on met un masque sous figure pour ne pas aspirer virus là, on va marcher dans la rue. Et ou laver mais en tout temps, parce que très souvent, mais on passe en côté le ramasser virus là, et moun toujours qui a tendance à mettre mais sous figure, et c'est comme ça, virus là, entrer dans la bouche ou dans les yeux. Tout ça, nous déjà dit ça. Le finin des grandes émissions spéciales avec les psychiatres, pour montrer qui genre, épidémie ça, leur commence à frapper moun la famille, lui créer un pile problème psychologique. C'était une émission extrêmement intéressante. Jodian, nous voulons voir qui ça, qui lumière la Bible était pour une perspective religieuse, bien spirituelle sur l'événement ça. C'est peut-être ça, nous inviter sept prêtres et au chaque fois d'une réflexion spéciale et nous pourrons présenter eux. Premièrement, Pierre Miguel, est-ce qu'on voulait présenter tête ou? C'est Père Dis non, Miguel Auguste, voyez. c'est dans la paroisse Saint-Pédis qui est dans Queens, New York. C'est moi qui répare ça. Mais bienvenue, Pierre Miguel. On finit Gustave, vous pouvez présenter tête ou? Et bonsoir tout le monde, c'est Gustave Miracle. Dans l'archidiocèse Boston, je travaille en paroisse Saint-Louis-Zélie-Martin, qui est dans Somerville, puis paroisse Saint-Jean, Saint-Jean-l'Évangéliste, qui est dans Cambridge. Donc, deux paroisses, ça y couvre également deux communautés haïtiennes, qui sont dans la zone ça, et ville Cambridge, et puis ville Somerville. Bonsoir Bienvenue, encore Pierre tout le monde. Miracle. Bienvenue, Pierre Miracle. Bon côté, où il est Boston, Simone qui pas connaît. Il en nord net, côté Gampil la neige. OK. On y a, nous pourrons inviter Père Marc-Arthur, présenter tantôt. Moi, c'est Père Marc-Arthur François. Moi, c'est un quatre prêtres haïtiens qui est dans l'archidiocèse de Milwaukee. Moi, précisément, dans la paroisse Saint-Patrick, Assumption of Saints. Il y a diverses communautés là-dedans, les Panyol, Africains, Haïtiens et quelques Blancs, bien sûr. Donc, c'est ça pour l'essentiel. Bien sûr, pour le monde qui parle qu'on est New York, c'est l'État de New Jersey. OK, qui l'autre bord la rivière entre New York avec New Jersey. Bienvenue, Pierre MacArthur. Merci. Nous guettons Yvon. Yvon a présenté des Bonsoir, c'est Père Yvon-Pierre. Moi, c'est curé dans la paroisse Saint-Jérôme, dans Brooklyn. Alors, il y a un peu de monde qui dit si on a cherché un autre monde, venir Saint-Jérôme, ou pas tant de parler de lui, monde ça, il n'est pas dans New York là du tout. En façon pour dire connexion qui gagne entre Moun Saint-Jérôme avec tous les Haïtiens qui sont dans la zone. C'est la moyenne depuis 8 ans, nous sommes curés dans la paroisse. Moi, salut. Bienvenue, Père Yvon. La fini, nous sommes Père Yves Geffrard. Moi, c'est Père Yves Geffrard. Moi, dans le diocèse Palm Beach, puis c'est coordonnateur apostolat haïtien dans le diocèse Lato. Et puis, je suis responsable paroisse Notre-Dame qui est dans Fort Pierre. Donc, moi, j'ai depuis 11 ans, je suis responsable paroisse. Bienvenue, Père Yves. Alors, tout le monde connaît West Palm Beach, c'est en Floride, ça y est. Et puis, le fini,
qui a son gagné nous gagné Père Mike, petit homme, côté où Mike. C'est avec un pile que content de saluer nous chaque et nous toutes, qu'il a frère avec frère, Monseigneur Panélicio. Et tout le bon Dieu a capoté nous, moi c'est Pierre Mike, petit homme, moi c'est un prêtre archidiocèse Port-au-Prince, qui qu'on y a là en mission, moi dans paroisse Saint-Joseph, dans Spring Valley, dans New York. Donc, moi j'étais capable de dire upstate New York, pas la ville de New York, donc Père Yvon, mais upstate New York. Very good, bienvenue Père Mike, et puis finalement nous gagnons, ah, l'unique, Réginal. Réginal, présentez-vous. C'est Père Réginal Jean-Marie de l'archidiocèse de Miami. Et je travaille dans la paroisse Notre-Dame d'Haïti à Miami, qui est située au cœur de la petite Haïti. Et je dis, ah, c'est vraiment une joie, une bénédiction, mon capable, ensemble avec mon Seigneur, ensemble avec tout confrère Père. Et nous voulons saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui branchissent sous belle émission Saka Vivre ensemble avec nous. Et vraiment, c'est un cœur content pour nous ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue, Père Réginal. Eh bien, on va rentrer directement dans l'émission de Père Miguel. Père Miguel, où est toute la journée, gagné un tremblement de terre, gagné un cyclone, gagné une inondation, gagné des fois un bâtiment qui coulait, gagné une tempête sous la mer. Tout ça nous relève les lois de la nature. Mais gagné des mondes qui disent, c'est bon Dieu qui prend un bâton pour caler le monde parce que le monde est méchant. En face de l'épidémie, ça, qui soit cap dit, est-ce que c'est le résultat tout simplement des forces de la nature, des lois de la nature, ou bien c'est bon Dieu qui a frappé? En réalité, l'homme, histoire, humanité a même, il fait passer de catastrophe en catastrophe. Et sinon, aller très très loin dans, sur le plan scientifique, la naissance de la Terre, on voit que c'est au grand bout dans l'atmosphère, le cosmos là, qui permet que planètes se séparent. Et nous venons de la planète Terre, côté Moon, venons habiter sous l'île. Alors, chaque fois qu'il y a une catastrophe, que ce soit ou déluge du temps de Noé, que ce soit tremblement de terre récemment tout près de la Caïnou, Haïti, et que ce soit Kounia, ça navive un peu partout dans le monde avec coronavirus là, eh bien, dans le cœur de l'homme, la peur envahit. Et dès que peur envahit dans le monde, le monde n'a paniqué et il y a toute qualité d'explication à ça qui est capable de la vivre comme expérience de peine, de souffrance, de maladie et même de mort. Si nous-mêmes, comme chrétiens, nous basons sur la tradition Job, spécialement Job, qui a une tendance, et dans le livre Job, Noé, il expliquait toute misère, il passait toute tribulation, il endurait, comme on attaque du malin, comme on attaque du mauvais. Il dit même, aller jusqu'à même, dit, c'est attaque de Satan qui fait que lui souffrit, qui fait que le paix du bien, qui fait que le paix du famine, qui fait que le paix du. Et tout ça qui dégage sens et importance dans la ville. Mais même Job Satou remet toute la ville dans le bon Dieu. Et c'est à travers confiance totale ça que le gain dans bon Dieu. Qui n'est pas capable de quitter petit lit péri et qui n'est pas capable de quitter petit lit disparaître et qui n'est pas capable de quitter petit lit anéanti, eh bien, Job dit, il est arrivé même à aux phrases que tout le monde a répété qu'on y a, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Mais dans la perspective aujourd'hui, avec éclairage et passage Jésus sous terre, nous voyons que le mal, et surtout ça qui est capable d'arriver en thème naturel de catastrophe, d'inondation, et de maladie, eh bien, depuis bon Dieu, tu es fini de remettre l'homme, la terre, tu es dans mes mounes. Tu es dans mes mounes. Et bon Dieu, quitter l'histoire avancée avec moun. Il y a des catastrophes qui provoquaient, parce que l'homme coupe trop pieds bois, il
qui est capable d'entraîner inondation. Il y a des catastrophes tout qui naturelles, par exemple, tremblement de terre, côté que c'est une accumulation d'énergie qui soit en bas en mer, soit en bas terre même, et puis au bon l'heure l'éclater, même genre ça arrivé là à Kainou en janvier 2010. Mais quel que soit ça qui arrive, qui fait l'homme souffrir, l'homme toujours gagne un regard vers Dieu pour dire bon Dieu, pas oublier nous, sauver nous. Créateur, c'est missionni et sauver, ça le crier, sauver, ça l'y remet, et sauver, ça peut le planter sous terre. Et dans un moment difficile, ça, nous jouons un peu le monde par désespoir, ou bien peut-être par la peur, ou bien par l'angoisse. Côté, on est capable d'accuser et bon Dieu, et on dit bon Dieu, et si, ou on est capable de punir nous, et parce que nous faisons un pile péché, ou bien parce que nous faisons un pile désobéissance. Mais en réalité, notre Dieu est un Dieu d'amour. L'équité, mauvais yo, avec bon yo, grandit ensemble. Et pas gagner moyen pour que ce bon Dieu qui t'a dit calamité sous nous, pour que bon Dieu t'a puni nous à cause de ça, nous t'a fait. Il t'apparaît comme bon Dieu injuste. Et Dieu ne saurait être injuste. Donc, pandémie n'a vivre là, et fraction yo, t'a su une mission ça, li, et. Nous pas entrer dans le détail pour nous dire c'est le monde qui cause elle ou bien c'est le pays qui cause elle ou bien c'est les scientifiques qui cause elle. Cependant, ça nous capable de dire c'est que plan bon Dieu, c'est quel que ça soit la vivre là, lui doit permettre que nous rapprochions nous plus de bon Dieu. Avant hier, on a établi une histoire qui est apparemment comique. Côté, il y a eu une conversation entre Satan avec bon Dieu. Et Satan dit, bon Dieu, mon cher, où est que j'aime fermer toute l'église? Et que moun pa ka l'église encore, moun pa ka le groupe de prière encore, moun pa ka me rassembler encore, moun pa ka célébrer l'Eucharistie encore, où est que ou échoué? Avec question, pour moun mon nom, eh bien, moi faire ou échoué? Et bon Dieu, gardez Satan, dit Satan, ah, pendant que vous fermez l'église et qui gros buldinio, et bien moi-même, mais ouvrir l'église dans chaque caille qui démoule là-dedans. Il voulait dire que moment ça, c'est capable une opportunité pour nous réaliser malgré souffrance que Dieu est notre seul secours, que Dieu est notre seul bien. Et que tout ça qui existait sous terre, en fait, Jean-Job te dit, vanité des vanités. Et je nous joins dans le proverbe tout, vanité des vanités. Mais en réalité, ce qui reste, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre relation humaine, une acclode de l'amour, c'est notre relation intime de la prière avec bon Dieu. Donc, Miguel, nous avons dit merci en pile. Voilà que vous avez des principes clés. Premièrement, monde responsable. Bon Dieu t'a dit, Adam, moi, remets tout terre, dominez, qui fait que nous avons responsabilité terre. Mais d'une, quel que soit sa privée, que c'est pour nous toujours une confiance absolue dans le remède, bon Dieu. Je crois que c'est très important, principe ça que vous mettez. Je ne sais pas si dernier mot. Je cause ça, mais on va retourner encore dans la fin émission. Et finalement, tout est mystère aussi. Très souvent, nous pouvons finir par expliquer le dernier bagage juste en bout, mais le principe que nous gagnons, aider, le soutenir. On y a nous demandé, Père Miracle intervenu, puisque en pile la calamité qui frappe l'humanité, c'est les lois de la nature, eh bien, ça, nous avons besoin de la prière. So, Père Gustave dit un petit peu l'importance de la prière. Enfin, calamité inévitable. Donc, Gustave. Merci, Monseigneur, pour les questions. Importance de la prière capable de gagner, doit gagner et pourra gagner le moment ça. Et d'abord, gagner pour moi-même en conversion, en changement, en transformation totale qui méritait faite. Dans la façon dont la prière, dans le contenu de la prière même, dans un moment ça, et moi, j'ai gagné trois formes de changement, et si vous voulez, trois formes de conversion même, capable de dire,
à l'intérieur de prière nous. Alors d'abord, prière, la prière définie en tant que croyant qui met en communication ou encore en connexion avec bon Dieu et par la communion. Et maintenant, ici, moi, quoi, premièrement, la prière besoin impliquer ou encore insérer dans lui-même, premièrement, élément de gratitude. Nous songer, première référence n'a pas, c'est référence des 10 lépreux. Et moun sa yo te fè yon expérience, même j'avec nous, même je dis, yon expérience de maladie qui te bay, qui t'a pral bay l'an mort, c'était la lèpre. Même j'avec nous, même qu'a fait expérience avec maladie coronavirus qui pote l'an mort. Mais on seul nan yo te converti par la gratitude. Li songe qui est-ce qui guérit et puis li rebrousse chemin, la di merci. Donc pour moi-même, premier élément, doit un élément de gratitude à l'intérieur de toute prière nous yo. Et quelle que soit façon nous avons fait, nous avons organisé, et notamment prière personnelle. Deuxième élément, moi, quoi, qui pour insérer de manière nécessaire, m'envie dit même obligatoire dans prière nous, c'est l'élément de la libération. Et en référence, moi, apprends l'expérience que le peuple Israël a fait dans l'Exode, le passage de l'ange de la mort, le Israël, ces derniers, dans 10 plaies, dans 10 calamités, ces derniers calamités, ces derniers plaies que Égypte t'a pral vivre, qui pral faire Pharaon obligé quitter peuple à aller, c'est le et ange de la mort a passé et puis il frappé premier Égyptien yo. Mais de l'autre côté, il était ouais sans mouton, sans agneau à te là, qui était maison peuple Israël yo, qui était sous l'interprète yo, il était protégé yo. Ça t'a pral provoquer donc la libération d'Israël, l'exode. Donc l'ange de la mort est passé, mais il était converti dans ce sens, ça veut dire un changement ça. Donc, moi, je crois que deuxièmement, prière nous doit insérer à partir de l'épidémie et pandémie coronavirus, ça, expérience de mort, ça, et notion libération. Un peuple qui besoin faire un passage de certainement peut-être structure traditionnelle à une nouvelle structure, et, mais de toutes les manières, peuple haïtien, communauté haïtienne, et moi, je crois et que chaque communauté, que ces communautés américaines, ils ont besoin donc vivre. Prière, yo, donc, avec deuxième élément, ça, qui c'est l'élément de libération, notamment sur un niveau communautaire. Et puis, troisièmement, sur un niveau qui est plus large, quand même, c'est sur un niveau qui est universel. On croit que troisième élément, et troisième et dernier élément, que prière, nous n'avons pas besoin d'insérer, c'est élément que moi, il y a un élément de renaissance, ou bien, si vous voulez, de renouveau. Et moi, je fais référence, donc, à ça qui est passé au début du 15e siècle, à début année 1400, yo, l'épidémie de la peste en Europe. Et bien entendu, je ne dis la peste noire, nous comprenons toutes les raisons, hein? Parce que je ne crois pas qu'il y a une maladie qui est en couleur, et même Jean, il dit nous-mêmes nous noirs. Moi, je préfère dire l'épidémie de la peste, grande peste en Europe, qui était fait près de, sur une époque de 5 ans, qui était fait des millions de morts. Et qui, Jean, l'Europe, et en pile côté dans le monde, tu as campé après l'épidémie de la peste là, c'est là où tu as changé la structure traditionnelle que tu as vive, qui était le Moyen-Âge, la structure féodale. Côté monioté et divisé, t'es structuré par des castes que, à la naissance, hein, la noblesse, le clergé, le peuple, enfin le clergé était divisé en deux lui-même, tout le haut et le bas clergé, etc. Ça va déboucher sur un nouveau monde, et qui est le monde de la Renaissance, qui est un petit peu le monde que nous connaissons jusqu'à peut-être Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, moins penser et moins croire qu'à titre et prophétique, le monde capable de vivre même réalité ça, un monde qui pourrait le tourner définitivement vers un renouveau, vers une nouvelle renaissance. Donc, moi, quoi, prière, nous, donc, doit insérer, doit impliquer deuxième, troisième et dernier élément ça, qui c'est un élément de renaissance. Nous passer coronavirus là, en pile nous-mêmes qui pas mourir, qui a survivre, qui a là toujours. Donc, trois éléments ça, moi, quoi, dans prière, nous, dans la manière nous pourrions adresser dans le bon Dieu. Donc, il faut nous gagner tous les trois. Que c'est premièrement gratitude, deuxièmement libération, troisièmement renaissance. Nous vous remercions beaucoup, Père Miracle, pour lumière ça et qu'on va porter. Certainement que l'entrée traversée, gros et calamité, ça, c'est important pour que nous connaissions que Dieu est un Dieu de providence, un bon Dieu qui peut sauver. Jésus, il est tête, il est sauveur, il vient sauver, précisément nous prendre dans des situations terribles. Mais bon Dieu l'a toujours pour sauver,
pour le libérer et pour le faire entrer dans le renouveau. Et quel que soit le trauma qui frappe, c'est pour nous joindre moyen, pour que le moyen soit purifié, renouvelé, et surtout par la grâce de la prière. Merci beaucoup, Kounian Opral. Et puisque Père Miracle dit que c'est pour la prière, bon forme de prière qui ont été très populaires, mais grand pile monde qui parle le mal, qui pas fin comprendre ça lié. Donc, n'a pas de Père MacArthur, ou dit un petit peu son pensée de chapelet comme prière. Jean MacArthur, côté on. Voilà. Et chapelet comme prière, et quand on le connaît, chapelet à qui ça lui fait, c'est justement les relater, les permettre, nous, t'as qu'à dire, faire parcours la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien sûr, depuis Maman Marie, les mêmes qui sont madame, qui apprennent à travers les hauts et bas de sa vie, les hauts et bas de la vie de sa famille, les hauts et bas de la vie de son fils, du ministère de son fils Jésus. Elle a appris à accueillir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et la miséricorde de Dieu, eh bien la volonté éternelle de Dieu. Et comme on a dit tout à l'heure, plusieurs en ont dit ça, la volonté d'amour de Dieu. Donc moi, quoi que, c'est fort que nous mettons vraiment à l'école de Marie. On accueille volonté bon Dieu. Et accueille volonté bon Dieu vraiment avec courage. Et que ce soit intervention Père Miguel, intervention Père Miracle, là, moi, t'as appelé dans l'ambiance, ça qui garde chapelet à réunion. Moi-même, entre autres, parmi tous les mystères chapelets que nous avons médité, il y a un mystère douloureux, hein, spécialement l'agonie de Jésus, les Jésus entrés dans le jardin Gethsémani. Hein? Parce que des fois, on grande tendance que nous gagnons, nous comprenons que parce que nous ne sommes pas bon Dieu, malheur pas qu'il doit arriver nous. Parce que dans la prière, aucun bagage qui mal pas qu'il doit arriver nous. Et dans l'ambiance chapelet, il a médité en mystère comme mystère douloureux, agonie Jésus. Qui il a la grâce pour entrer dans la volonté bon Dieu. Et volonté, ça qui pas précisément une volonté de douceur. Donc, volonté côté que toute bagaille allait comme sur des roulettes, une volonté, comme on a dit en anglais, everything is rosy. Hein? Jésus est rentré dans le jardin de Gethsémani, il a prié papa, dans le premier ministère chapelet, il dit, papa, t'en prie, fais calice en ça, allez loin moins. Et nous, Jésus, dans l'ambiance de dépression, il y a les côtés apôtres plusieurs fois. Et finalement, Saint-Luc Paul dit nous que Jésus lit, eh bien, l'issue sang. Et c'est Saint-Luc même qui rappelle nous que finalement, qui s'est bon Dieu fait pour Jésus, il voyait 11 anges lui, il consolait. Et bien, moi, je crois que chapelet, c'est ça que lui fait nous. Il ben nous capacité pour, avec Marie, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour nous entrer dans le plan de Dieu. Et plan de Dieu, ça qui doit venir sous toute forme de joie, forme de victoire. Mais en même temps, toute forme de douleur, spécialement pour ce qui nous concerne avec le coronavirus, eh bien, les plans, mon Dieu, ça a fini avec douleur là. Eh bien, comment, dans la foi et dans l'esprit d'abandon, hein, dans l'esprit d'abandon, ça c'est un beau bagage, dans l'esprit d'abandon, eh bien, pour rentrer dans le plan, mon Dieu, ça. Et là, on a parlé de l'esprit d'abandon qui comprend des mondes comme Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus ou bien Mère Teresa, tout le monde qui fait louange de l'esprit d'abandon du chrétien. Hein? C'est-à-dire, comment que, eh bien, en dedans douleur, nous, en dedans souffrance, nous, nous sommes capables de mettre toute bagaille dans le bon Dieu. Parce que, il y a une bagaille que j'ai découvert dans la vie de foi, dans la vie de prière, c'est aider nous, prier là, aider nous à rentrer dans le plan bon Dieu. Et prier là, il n'est pas précisément fait que ça qui est capable de paraître douloureux pour nous, il disparaît. Mais prier là fait que nous connaissons que finalement, à l'intérieur même de ce que je suis en train de vivre, as painful as it can be, eh bien, bon Dieu, comment t'as dit, pas la guémoin, bon Dieu, comment t'as dit, ensemble avec toi. Donc, alors, pour répondre à la question, M. Jégis, chapelet, c'est ça qu'il fait nous. Il fait nous connaître que nous, avec un bon Dieu qui parle à guémoin, un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui va accompagner nous. Même j'ai accompagné Marie, même j'ai accompagné Jésus. Merci beaucoup, Père MacArthur. Vous avez des belles lumières sous chapelet en prière très simple. Côté méditer avec Marie sur la vie de Jésus. Et ouais que bon Dieu pas mettez une son tête en coulant paradis terrestre tant que n'a pas cette création
testing, bon Dieu a testé nous. Et c'est par la souffrance, puis souvent, que ou qu'a dégagé, purifié, capacité remé en là. Parce que finalement, c'est leur grandit dans remé, c'est leur sort fait volonté, papa. C'est ça nous est en Jésus. Jésus baille tête li net aller, et alors que le monde a dit que c'est l'emplésité, c'est dans l'argent, c'est dans bamboche. Tu as besoin de cœur content. Jésus même a dit, oh, c'est l'oublier tête pour les autres. C'est là que tu as besoin de plénitude humanité. Et chapelet a aidé en pile dans ce sens. Moi-même, je récite 3 chapelets chaque jour sans manquer. Et c'est des méditations qui portaient en pile force dans la vie. Et qu'on y a, nous, sur le côté réflexion sur l'importance de la prière. Et le chapelet, c'est une forme de prière. Ce n'est pas plus gros forme de prière. Là, c'est la messe. Mais il y a un chapelet tout. Qu'on y a, et nous remarquer que la mi-temps crise, ça, il y a un bagage extraordinaire qui fait dévouement docteur avec nurse. Il y a plus de 100 médecins italiens qui mourent en Italie. Et déjà, nous avons au moins 6 médecins haïtiens qui viennent à mourir dans le service monde qui a subi maladie ça dans la zone Brooklyn et puis Manhattan. Donc, dévouement nurse sur ma extraordinaire. Je suppose que Père Yvan ou Taremé dit 2 mots sur ça tout. Père Yvan, oui. Téléphone fermé. Oui, moi je voulais prendre le temps tout d'abord pour me saluer. Tout le monde qui a un membre dans la famille qui mourit. Dans la semaine, ça y est, dans le jour, ça y est, qui se passe. Quitte c'est en bas COVID-19, quitte c'est en bas l'autre maladie. Épreuve, il y a vivre le moment ça, il y a pile, il dit, parce que le mort, il y a un monde qui est proche. C'est une plus grosse épreuve ou capable de vivre. Et l'on a un monde qui est bon côté, qui peut être réconfort, consolation pour vous, ça aide à vivre bien, épreuve ça. Les jeunes connaissent, non, moment ça, à cause de consignes autorité urbaine, pour nous vivre distanciation sociale, ça fait que moun ki gen moun yo mouri, pas de moun ki vin bon côté yo, ou rencontrer ensemble avec yo, ou pa yon accolade, pour manifester solidarité ensemble avec yo. C'est ça que fait, nous songe yo, et nous adresser, moi, adresser un mot de sympathie envers moun sa yo. Alors, moun ki prend maladie ça, COVID-19 là, gagne la dan yo qui mourit, gagne la dan yo qui chape tout en bas maladie ya. Moun sa yo qui refait, moun sa yo qui vive toujours. Alors, je profite de l'occasion ça pour me dire honneur et respect, pour me dire bravo, pour me dire compliment pour médecins avec infirmières, à tout le personnel de la santé qui était là, bon côté moun sa yo. Mais tu es mobilisé réellement la journée tant que la nuit. Pour yo capable essayer dans mesure pa yo sauver la vie moun sa yo pour yo pas mourir. Pour ça nous saluer dévouement yo, nous saluer courage yo, nous saluer sacrifice yo fait. Yo connaît tout ça gen risque là-dedans. Yo connaît ça très bien. Mais yo pas quitter risque ça bloquer yo ni paralyser yo pour yo pas faire rien.
Non, ça n'a pas empêché yo continuer exercer profession yo dans mitan moun sa yo qui a maladie COVID-19 là. Alors nous voyons moun sa yo mettez famille yo de côté. Yo mettez mari yo ou bien madame yo de côté. Moun sa yo, yo mettez petit yo de côté, la vie yo de côté pour yo pencher sous ka moun sa yo qui vraiment dans ka pour sauver l'autre monde. Ce n'est pas risque seulement. Nous, il y a stress pour nous-mêmes. Il y a fatigue pour nous-mêmes. Alors, il y a risque, il y a stress, il y a fatigue. Risque là, mais on connaît bien. C'est que moun kal rencontré au côté où il y a, dans l'hôpital, par exemple, il y a un risque pour moun sa contaminé. Si moun sa, eh bien, il te gagne, il te prend maladie sa. Parce que moun nan gravini, il est asymptomatique, il pas présenté symptômes, mais il gagne. Et moun personnel la santé, il compte ça. Mais il a accueilli pour accueillir moun sa. Il y a autre moun tout qui médecin ou bien qui infirmière, qui visite moun la kayo. Yo capable de visiter plusieurs mondes dans plusieurs cailles. Yo passé d'un domicile à un autre. Et moun sa yo, yo connaît bien. Puisque moun sa yo, yo visite à qui malade là, et bien moun sa yo à risque, yo capable de maladie là, yo connaît ça, mais yo allé quand même. Même là, yo connaît un risque qu'a prendre et yo capable de tourner bon côté pa yo, yo vecteur potentiel. Oui. Du virus. Nous vous remercions, j'en signalé toute belle bagaille qui sautit. L'ambiance, il y a un paysage qui paraît sombre. L'emploi en circonstance qui vivait dans la vie, côté que il y a une belle bagaille qui pas sautit. Et bagaille en sirène. Et c'est sirène, mais ça que nous voyons qui présent en pile nurse haïtien, médecin haïtien qui est admirable. Même l'heure où jetait métal. Quand on fait ou bien l'or ou bien l'argent, dans du feu à purifier. C'est comme ça que souffrance, tout, et à travers des expériences de souffrance, que vraiment héroïsme, monde qui pis bon, paraît pis fort. Oui. Donc, alors nous paraît temps développer ça. Ça nous t'a dit concernant stress avec fatigue, tout ça là-dedans, mais côté positif là, et c'est ça qui fait nous parler de honneur et respect, nous dit bravo pour yo, compliment pour yo, c'est que malgré tout risque ça yo prend, malgré stress yo vit, malgré fatigue, eh bien moun sa yo, eh bien yo aurait été attaché à métier yo. Yo pas dit yo pas métier encore, yo pral font l'autre métier. Yo pas dit yo pas infirmière encore, yo pral font l'autre métier. Nous aurait été là comme médecin, nous aurait été là comme infirmière. Et ça qui fait nous saluer courage yo, yo mérité ça. Nous saluons le dévouement, nous saluons le sacrifice fait pour être capable eh bien, soigner météo au service des gens qui sont dans le cas de la maladie. Certainement, nous saluons avec un pile respect. Alors, nous mettons chapeau devant vous. Merci. Et qu'on y a un appel des pères, Yves, Dean, est-ce que vous avez des psaumes dans la Bible ou bien des passages de la Bible que vous avez mettez dehors pour précisément manifester? Que même à travers les périodes d'épreuves, que c'est des chances extraordinaires ou vertu monde qui est enraciné dans la vérité pour qu'il fleurit. Yves, est-ce qu'il y a une 23 textes bibliques pour ça? Exactement, Monseigneur, nous sommes capables de faire un pile passage dans la Bible, spécialement dans Somme, qui est capable de montrer nous. Là, nous gagnons une situation difficile, nous pas capable de comprendre. C'est bon grand maître là pour nous venir. C'est lui qui a protégé nous. Et c'est ça que fait m'a suggéré plusieurs sommes pendant nos moments ça. Nous capables de lire la caille nous pour aider nous ouais aspect spirituel qui gagne dans moment où pandémie ça monde l'a traversé. Y en a premier somme m'a fait bon nous pour nous capables de lire et continuer. La kaino, gardez somme ça, c'est somme 17.
et gagne un verset qui est bien important là-dedans, c'est verset 8 là, qui dit protégez-moi tant que grain Jérou, cachez-moi bazel ou grand maître. Protégez-moi. Ça veut dire, somme ça, il est important pour nous connaître. C'est bon Dieu qui a toujours protégé nous. C'est bon Dieu qui a toujours campé avec nous. Dans n'importe situation, nous trouvons nous. Somme 17 là, nous avons droit à l'île, nous avons tout aspect ça là. Nous avons somme 18 tout, verset 1 à 3, plus verset 20, qui ban nous comment les gens prennent un bon Dieu. Dans n'importe situation, nous trouvons bon Dieu a qui remet en l'an, la campé avec vous, la force ou. Donc, dans le premier verset, il dit à la remet. Moi remet, grand maître là, c'est vous-même qui toute force moi. C'est vous-même qui trouvez côté me caché. C'est vous-même qui servit rempart. C'est vous-même qui délivrez. Ou c'est bon Dieu, moi. C'est vous qui protégez. Ça veut dire, sommes ça, nous capables, l'île la caille nous, pour nous capables de jouer une force, pour nous capables de traverser. Moment critique ça, monde l'a traversé aujourd'hui. Somme 18, verset 1, 3, plus verset 20. Nous gagnons tout. Somme 23, qui te lit, nous, dans dimanche bon berger, dimanche bon pasteur, nous ka joindre en pile parole là-dedans, qui pour réconforter nous, pour faire nous connaître, grand maître là, il est toujours là avec nous. C'est lui qui est bon gardien, c'est lui qui a toujours protégé nous, lui pas jamais abandonné nous. Et c'est ça, nous capables de dire, ou même comme chrétien, et comme dimanche qui t'est passé l'autre jour là, quatrième dimanche de Pâques, c'est sous ça le texte, ça où t'es basé. C'est bon Dieu qui bon gardien nous, c'est lui qui a protégé nous. Dans n'importe situation difficile, nous capables de joindre nous. Somme 23, c'est un somme tout pour le moment qu'on a traversé jeudi. Nous gagnons somme 34, somme 34, il dit comme ça, surtout verset 8. Côté dit et goûter na ouais Jean grand maître la bon à la bon sabon pour mon joine protection en bazel li. C'est ça dans moment ça c'est goûter pour nous goûter venir chercher bon Dieu et c'est un aspect spirituel qui gagne dans crise n'a traversé jodi a en pile monde a chercher chemin bon Dieu en pile monde a caché mais venir mettre en bazel bon Dieu parce que c'est lui qui a protégé nous tout bon vrai. Somme 34, nous capables, c'est un bon somme dans un moment difficile, crise n'a pas passé là qui pour protéger nous. Nous gagnons somme 46 verset 2 surtout dans verset 2a qui dit comme ça, c'est peut-être ça. Nous te mettre ouais, t'es à trembler, nous te mettre ouais mon yo à chavirer, tomber dans mitan la mer. Nous pas besoin peur en rien. Grand maître là avec nous. Ça veut dire, somme ça, l'important pour nous capables de lire. Somme 46, verset 2, et puis nous allons lire tout somme là, même by verset qui est important, qui pour aider nous vraiment chercher chemin bon Dieu, chercher la prière pendant nous confiner la caille, pour nous pas arrêter à plaindre, mais pour nous appeler en dialogue avec bon Dieu, la prière, parler avec lui, parce que c'est lui qui a une solution. Nous mettons les hommes à faire toute qualité causée, dit à chercher vaccin, à chercher yon guérison pour maladie. Mais c'est bon Dieu qui a contrôle là. Les hommes nous vraiment limités. Alors la prière est importante. Nous gagnons un somme qui puisse populaire tout parce que tout le monde les maladies fin débarqué. Tout le monde c'est somme ça vous parlez de lui. Somme 91. Somme 91 là et presque toute somme là. Là montrez nous comment. Nous pas besoin de peur aucun malheur, aucun fléau, aucun peste qui a venu. Nous avec bon Dieu. Et surtout verset 10 et 11 qui dit non, aucun malheur pas privé ou aucun méchant pas approcher bon côté caillou. Bon Dieu a passé ses anges dit au Lord pour yo veiller sur vous, pour yo protéger au côté au passé. Avait dit somme 91 ans, c'est en somme nous capable dit mon Dieu plus lit pendant moment n'a traversé jodi a. Nous gagnons somme 118 tout qui important pour nous capables. Somme 118, là nous lisons dans verset 6 surtout qui dit grand maître là pour moi pas fait rien. Qui ça moun ka fèm? Grand maître là pour moi pas fait rien. Quelle que soit situation qui vinnyan, moi la gagne dans mes bon Dieu parce que c'est lui qui gagne contrôle là. Somme 118, nous capables l'autre verset yo. Mais
verset 6 là, important pour nous connaître. Bon Dieu toujours campé avec nous. Nous gagnons Somme 127. Somme 127, verset 1. Il dit comme ça, si ce n'est pas grand maître là qui bâtit Kaila, travaillez monde qui a bâti yo par vous en rien. Si ce n'est pas grand maître là qui a protégé la ville là, travaillez monde qui a veillé yo par vous en rien. Et c'est ça, formation. Si grand maître là, il n'est pas campé, nous pas faire confiance. Nous te mettre tout travail qu'a fait pour jeune guérison, pas besoin de guérison, pas qu'a fait rien. C'est bon Dieu d'abord pour nous capables de chercher face-li qui pour aider nous dans la situation n'a traversé aujourd'hui. Somme c'est des prières excellentes qui pour aider nous dans moment ça. Merci. Et ben on remplit le texte qui est vraiment très enrichissant, qui a bonne force. Parce que c'est bon Dieu qui met cause. C'est lui-même qui, quelle que soit circonstance, qu'il ça où la providence, et c'est peut-être ça qu'on fait bon Dieu en confiance totale. C'est peut-être ça même par plan, l'occasion faite par plan et d'immunio, que même genre virus ça, que lui contaminer tout le monde, et que ou facile, prend là-dedans, il y aura une contagion de virus là. Nous-mêmes, qui chrétiens qui gagnent la foi, c'est pour nous avoir une contagion de l'espérance. Que quelle que soit la difficulté ou à traverser, ou qu'il y ait espoir dans le grand maître là, c'est ça, Sobio, demandez-nous pour ne pas jamais perdre. Et je crois que c'est ça que Père Mike Paldin tout, importance pour nous rester fort dans l'espérance, même à travers les moments les plus difficiles de l'existence humaine. Mon Seigneur, mon Dieu, un gros merci pour l'espace ça que offrim pour me partager. Ça me sentit comme chrétien avec le peuple bon Dieu qui a écouté à travers les médias, les réseaux sociaux. Effectivement, dans la situation que nous vivons, qu'on y a là, mon Seigneur, nous gagnons tous les deux l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est tout moyen humain qui est déjà dépensé et qui est disponible, qui fait que nous pensons que non. Depuis que le monde est monde, l'humanité toujours bataille contre des situations difficiles comme ça. Que ce soit la guerre, que ce soit intempérie, que ce soit catastrophe naturelle. Yo. Nous pas toujours vainqueurs. Il y a un pile là qui tombe. Mais ça qui arrive, c'est que ça qui saute, puis for yo, eh bien, yo connaît qui gens pour prendre leçon, pour tirer parti de ça, de l'expérience pour te faire, pour pas recommencer encore. Monsieur est certain que géopolitique là, cadre du monde là, socialement parlant, pral changer avec ça. Donc nous pral moins laguer connons et puis careful par rapport à ça n'a fait qui gens que n'a fait. Je pense que au-delà de l'espoir qui gagne avec moi humain, il y a beaucoup d'espérance aussi. Et qui t'aime saluer en termes d'espérance, mouvement et effort que vous-même, Monseigneur, a fait ensemble avec Buto. Effort que Père Gustave, Père Jean-Marie, Réginal, effort que nous, chaque comme Père, a fait qui permet que paroisse nous, eh bien, dépasser Kaila et aller la Kaimounio. La prière qu'a faite dans le téléphone, la prière qu'a faite sur Internet, la prière qu'a faite sur tout réseau et moyen qui est disponible pour nous. C'est des signes de l'espérance. Bon, c'est que même j'aime se dire du point de vue humain, défi ou challenge ou fait que nous sortions plus fort. Bon, c'est que Jésus dit non bagay que nous devons tenir compte de lui et m'a cité pour nous. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous connaîtrez plus grave. Il prend trois exemples. Tour de Siloé, monde que Hérode te coupé tête, etc. Il dit, les bagay ça arrivé. Ça veut dire que nous avons des victimes. Puis quand nous pensons que nous avons bon passé, mais vous devez vous convertir. C'est des signes qui nous sont envoyés pour que nous soyons capables de convertir. Enfin, si nous regardons la vie de Joseph, premier Joseph, là, le fils de Jacob, si nous regardons la vie de Job, si nous regardons la vie de Jésus, nous comprenons que mal avec malheur, pas nécessairement dire la fin, au contraire, nous annoncer un bagage qui est plus grand, qui est plus grandiose, qui est plus belle. Et c'est peut-être ça. Nous dit que dans l'épître aux Romains au chapitre 5, Paul pral dit, je sais en qui j'ai mis mon espérance et mon espérance ne sera pas déçue. Donc nous-mêmes qui a vive épreuve ça yo,
nous connaissons que mal ça n'est pas arrivé nous pour l'autre raison que pour la gloire de Dieu. Donc, nous restons attentifs pour nous chercher à comprendre où et comment la gloire de Dieu doit sortir de cela. Ne serait-ce que citer Jean-Pierre Miguel Tedia, Satan connaît le fermé l'église et bon Dieu qui ouvre chaque cas et chaque famille comme une petite église. Donc, c'est vraiment tout concours au bien de celui qui aime Dieu. Donc, c'est nous-mêmes et nous chaque et nous toutes qui pour continuer rendre compte de cette espérance que nous témoignons, de cette espérance que Dieu a déposée en nous. Alors, on nous continue à multiplier effort, on nous continue à multiplier créativité qui fait que nous sommes capables de porter la foi à côté de patrivé avant confinement. Ça veut dire plus loin toujours, plus profonde toujours, plus enracinée toujours et plus sincère toujours. Nous devons nous convertir, convertir nos structures. Nous devons nous convertir, convertir nos églises, nos paroisses, nos cœurs de pasteurs, pour que vraiment, c'est des cœurs de pasteurs qui semblent avec ça. Bon Dieu, tu promets dans bouche Jérémie, des pasteurs selon mon cœur. Alors, c'est des signes d'espérance comme ça que nous-mêmes chrétiens, que nous-mêmes catholiques, que nous-mêmes prêtres, que nous-mêmes baptisés, doivent porter comme un signal positif vers le monde entier. Nous avons triomphé de plus ou de plus grave que COVID-19. Nous allons triompher de COVID-19. Mais si triomphe ça, Jean-Pierre qui t'a bonne somme, il dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, si le Seigneur ne garde la ville, donc tout bagaille ça, il faut que nous bien enraciner dans notre foi et dans notre relation à Dieu qui doit grandir, qui doit mûrir. Donc, oui, dit dernier mot. Hein? Oui. Enfin, ce signal positif ça que nous gagnons, non seulement de par le monde, mais de par nous-mêmes comme chrétiens, pour nous intensifier et pour nous dire vraiment, la victoire et la vie est pour ceux qui sont morts et qui ont souffert avec et comme Jésus. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce message d'espérance. On y est, nous prenons un grand moment de prière, mais avant d'entrer dans le moment de prière, non? Peut-être que bon dernier mot, mais fort peu, très bref. Puisque nous plusieurs, et que peut-être une ou deux phrases seulement, que peut-être l'un ou l'autre veut dire avant nous rentrer la prière. Là. Est-ce que nous croyons que les gens n'ont pas jamais chiche pour parole? Qui est-ce qui a dit un mot? Comme moi, j'étais dernier, donc bon, mon premier pour moi dire merci à mon Seigneur sans arrêt pour sollicitude pastorale. Merci, Brother Tob. De ce que vous utilisez médias pour permettre que nous vivions plus vivants dans la foi. Nous. Merci à nous chaque père, particulièrement Père Réginal, qui prend les senties nécessités pour que la prière pour chaque paroisse qui était victime de COVID. Matin encore, tu prié pour paroisse Saint-Joseph, côté M'Soti. Enfin, on nous continue, on nous était plus créatifs dans porter bon Dieu, ben, mon Dieu, la caillou, si vous pas qu'à venir prendre la caillou. Plus créatif, il faut la mettre tête ensemble, parler ensemble. Parce que depuis l'an Christ, c'est l'unité. Pas gagner isolation, ou tes corps, chaque un petit coin parle, la travail ensemble. L'union fait la force. C'est la force. Est-ce que y a notre monde qui a mis bouche? Oui. Alors, il y a un pile initiative que je prends pendant un période de ça. Initiative que je prends pour connecter avec la famille, avec les amis. Yore le yo pour yo kon nouvel yo. Ou bien tout, yore le pour yo la prier ensemble. Parfois c'est deux moun, parfois c'est 50 moun pour la prier ensemble. M'encourager ça et pour yo continuer à faire ça, rester connecté. Pour yo ne pas sentir pour contre lui. Pour ne sentir entouré, pour ne sentir li pas pour contre lui réellement vrai. Non seulement bon Dieu ensemble avec elle, mais frère l'axel yo, yo ensemble avec elle tout. Amen. Merci beaucoup. Magnatone. Moi, t'es voulu. Dans le moment de confinement, ça, rete la caille là. Un danger gagnant, c'est que mon tellement rete gade télévision, mon tellement rete attendre des nouvelles, kabay information 24/24 sur nombre de monde qui mourit, nombre de monde qui malade, nombre de pays qui fermé. Et il agit sous le corps
Et voilà, il y a des gens qui pas gagné coronavirus, mais sucre monté. Tension est montée, ils viennent souffrir de palpitations, et ça vient affecter la vie d'une façon ou d'une autre. Et conseil d'abord en pile monde, et comme prêtre et comme psychologue, c'est que dans un moment ça, ouais, quel type d'activité nous capable faire, qui capable rapprocher monde plus l'un à l'autre, et profiter d'un moment ça en famille, la prier ensemble, profiter d'un moment ça en famille, faire manger ensemble et manger ensemble, profiter d'un moment ça en famille, faire des activités de réparation à l'intérieur de la maison. Et faire activités qui vous permettent nous grandir beaucoup plus comme monde et rapprocher nous beaucoup plus comme famille. Merci beaucoup, c'est très intéressant, très, très, très bon. Et moi, je voulais dire deux, trois mots. Uh-huh. En tout cas, ce que m'a conclu pour dire, c'est que moi, invité et tout le monde, et sur le plan personnel, et sur un plan communautaire, nous-mêmes comme haïtiens, et sur un plan universel, toute l'Église entière, moi, vraiment, tu as invité nous à un moment de conversion. Avant la pandémie, il se peut qu'en pile, nous t'ai pensé que tu as une garantie, peut-être pour demain, pour des bagages que nous avons réalisés dans 5-10 ans. Mais nous venons rendre nous compte que finalement, le jour nous fait, c'est de nous compter, c'est de nous gagner. Donc, j'invite tout le monde à un temps de conversion. Conversion de la gratitude. Hein? Dis bon Dieu merci et vis vraiment, vraiment nos profondes reconnaissances pour ça qu'on gagne aujourd'hui. Hein? Mais deuxièmement, tout, m'invite tout le monde pour nous ta vivre de telle sorte nous comprendre à quel point l'important tout ça qui était dans nous-mêmes présenté des structures d'oppression, soit pour tête, soit pour l'autre, pour nous libérer nous de nous-mêmes. Sortir dans toute forme d'esclavage, que l'immental, que l'immoral. Et puis enfin, bien sûr, d'arriver à terminer pour inviter tout le monde qui a écouté nous, qui a suivi nous, qui a gardé nous tous, à finalement, en conversion, dans ce que monsieur lépreux a été fait, avec dixième lépreux a été fait, il était rebroussé chemin et puis il était allé à l'essentiel. Nous rendons compte pendant le coronavirus là, qu'on bon petit bagage qui t'a fait, c'était frioriture, par l'empile, par l'air, non pas de jambes véritablement, dans un pile point, aller à ce qui est essentiel. Je vous dis, nous gardons ça, nous, c'est l'essentiel vraiment qui a aidé. Il y a des travails, il y a des professions que nous venons découvrir à quel point ils étaient essentiels et heureusement, hein, Haïtien te ap fè yo, même si ces derniers temps Haïtien était gen pile en pile critique sou yo, notamment aux États-Unis. Le retour à l'essentiel pour moi-même, c'est troisième forme de conversion, d'arriver inviter tout le monde là-dedans. Songez, pas perdre du temps, nous, équipe, l'autre. Merci, pareil. C'est ça, je le point dit, que même je suis plus que content, l'an bon Dieu, parce que content, moun jouen, l'an manger du riz. Et puis, à la boîte du vin. Maintenant, en dernier mot, je pense qu'il est important tout, c'est que, étant donné que le monde n'a pas la messe, donc en plus, le monde vient prendre l'habitude de garder la messe dans la télévision, c'est pour nous comprendre que c'est un petit marin a fait en passant, mais la messe sans demander présence physique ou même à frère pour nous la prier ensemble. En famille, pour nous manger ensemble, corps Christ là. Parce que l'Église, c'est corps Christ là. Donc, si vous assistez à la messe sans télévision, pas communier, vous manquez quelque chose. Monsieur Jésus dit, prends, mangez. Ça, c'est comme un monde qui mangeait l'enfant, ça, bien la vie n'est allée, m'a pleuvé l'an dernier jour. Donc, Piga nous perd du goût, nous, pour le banquet eucharistique. Fait que nous prenons terminer réflexion ça yo et puis nous allons rentrer dans un bon moment de prière et c'est Père Réginal qui va le conduire nous dans un moment de prière ça. Monseigneur Guy, juste avant l'intervention Père Réginal là, Monseigneur Guy, Bishop Guy, oui, mais écoutez, hein? Parfait, oui. Non, oui. C'est surtout un aspect pratique. Parce que qu'on a que gagne pile côté que ce soit dans les États aux États-Unis, que ce soit dans les villes, n'est-ce pas? Eh bien, il y a peut ouvrir pays.
Mwen ta reme mande moun yo pou yo kapab kontinye pran an pil prekosyon, fè an pil prudans. Paske nou pa ta reme ke nan... An di ke bon, gen reouverture, pi tout moun la gen reouverture, pi kon ya gen de moun ki pral viktim, paske lè nou viktim, spesyalman si nou pran virus a gen chans pou nou pote la kay fami nou. Et deuxièmement, c'est capable de possibilité pour nous éviter famine ou tristesse. Peut-être que si nous étions beaucoup plus prudents, que nous t'a évité. Et Pape François, dans une dernière réflexion que je fais, il invite nous justement à la prudence, hein, prudence spécialement au niveau de comportement général. Merci beaucoup. Regina. Ok. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon Dieu grand maître, bon Dieu la vie, nous vous remercions en pile. Autant ça que nous t'es passé ensemble. Merci pour vision débat, mon Seigneur, sans salir avec buto. Vous êtes capable d'initier belle initiative ça qui permettent que nous t'es capable de rencontrer ensemble. Maintenant, tout l'autre confrère nous, nous t'es capable de partager la foi nous. Nous t'es capable de partager message d'espérance ça. À un peuple qui brisait. N'abandonne autant prix, on va continuer. Comblez-nous avec l'esprit que content, l'esprit que posé. Au capable de toucher maladie avec main de guérison. Au capable de poser regard de grâce ou de miséricorde sur son âme s'il a eu qui prend devant. On va continuer à raffermir dans l'espérance, dans la solidarité. Famille Israël, qui a souffert, qui brisait. Nous avons besoin de nous en nous-mêmes comme pasteurs pour nous agir comme le bon berger. Pour nous toujours ouvrir l'horizon à nous-mêmes, pour nous toujours mettre nous disponibles pour nous. Pour nous pas peur faire n'importe sacrifice pour aider. Pour nous capables toujours mettre nous à la recherche des brebis perdus. Et pour nous capables de ramener vers nous-mêmes. T'en prie, bon Dieu, nous force. Mettez force ou nos faiblesses. Aidez-nous, donne-nous encouragement, le senti nous voulons décourager. Soutenez-nous dans la faiblesse, nous. Exorcisez dans nous-mêmes tout sentiment de préjugés, de mal, tout mauvais sentiment qui est capable d'entrer dans nous-mêmes et qui empêche nous vivre cette conversion pastorale que Mike lui-même souligne. Souligner. Et pour que vraiment nous soyons capables vivre libre dans l'esprit, nous dans le cœur, nous dans l'âme, pour que vraiment nous capables de présence réelle de nous-mêmes. Pour les gens rencontrer nous, même Jean-Paul écrit dans Galates 2:20, il dit c'est pas nous qui vivons, mais c'est vous qui vivez dans nous-mêmes. Soit commencé aujourd'hui à achever, et fait gloire éclater, dans nous-mêmes, dit c'est bon Dieu, papa, petite là, l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bon Dieu, grand maître, avec nous toutes. Et avec nous toutes. Yeah. C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir, béni, nous bien béni. Papa, petit lac, l'Esprit Saint. Amen. Très bien, ma souhaité tout le monde un bel après-midi. C'est pour toute parole, nous attendons. Enrichis que nous, l'esprit nous, c'est pour nous tourner plus bon, grâce à bénédiction, bon Dieu. N'espérez n'a rencontré encore et n'a fait d'autres émissions dans la même ligne, tout simplement pour aider la communauté à grandir dans l'humanité et puis dans la sainteté. Frères panélistes, merci infiniment. Maman qui règne en ciel là, maman qui plaît pour voir,
maman qui quelque sensi pour tout petit lio. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman Jésus qui sauvait, maman Lévi-moi souillé. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman qui toujours portait secours. Maman qui a payé sous nous, maman qui toujours là, maman toujours à prendre soin, la journée tant que la nuit. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman Jésus qui sauve. Maman, délivre-moi, souillé. Saluez-vous, maman, Notre-Dame. Maman, qui toujours portait secours. Maman, qui consolez-nous. Les nous guettent le danger. Dans la peine, dans la souffrance, pour toujours soutenir-nous. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman Jésus qui sauve. Maman, délivre-moi, souillé. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman. Maman qui prend défense nous, les yeux les fait à vie, ou pas les pouvoir, c'est vie pour craser l'homme. Saluez-vous, maman, Notre-Dame. Maman, Jésus qui sauve, maman, délivre-moi, souillé. Saluez-vous, maman, Notre-Dame, maman qui toujours portait secours. Où t'es toujours en mi-port, et c'est pour vous t'aider. Ou pas de jambes dans grand papa, bon Dieu, levez-vous en l'air. Saluez-vous, maman Notre-Dame, maman Jésus qui sauve, maman délivre-moi, souillé. Saluez-vous, maman Notre-Dame. Maman qui toujours portait secours, ou toujours dévoué pour nous, ou rêve un paix païsien, ou toute férole vine détruit, ou a toujours fait diligence. Saluez-vous, maman Notre-Dame. Maman, Jésus qui sauve, maman, délivre-moi, souillé. Saluez-vous, maman, Notre-Dame.